Hey, salut les mecs, c'est Stormay, on se retrouve aujourd'hui sur Mortal Kombat X, vidéo découverte de ce superbe jeu renouveau de la licence. Peut-être bien, j'avais posé la même question pour BF. Alors déjà, donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pu tester un petit peu. Alors là, je pense qu'on va être tout seul, sauf si je peux trouver un pote qui joue en ce moment. Oui, j'ai déjà un ami, je pense. Donc en gros, c'est vraiment énorme. Si vous connaissez déjà Mortal Kombat... tant mieux. Si vous connaissez pas, donc c'est donc une série comme on pouvait avoir sur sur un Street Fighter ou un Tekken. Là, c'est vraiment plutôt le côté spectacle, vous voyez, personnage charismatique. Oui, c'est vraiment ça. Bien que les personnages de Street Fighter sont aussi charismatiques, mais pas dans le même sens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, c'est un peu comme si on avait rendu Street Fighter vraiment gore. Parce que ça peut connaître déjà la licence, mais je préfère en parler. Alors, on va aller jouer en ligne, tiens. Enfin, on va peut-être s'entraîner en combat, bon, c'est pour le fun. Voilà, un contre un. Alors, on va prendre le personnage. Donc je vais déjà montrer les nouveaux personnages, enfin les personnages du jeu. Donc alors il y a Kung Lao, donc là c'est un habitué de la licence, on l'avait déjà dans le prochain, donc enfin le dernier. Le seul, donc, attendez, deux secondes. En fait, donc le seul où j'avais vraiment joué, donc c'était Mortal Kombat, donc le récent. Il s'appelait vraiment comme ça, hein, c'était assez historique comme nom, voilà. Donc c'était sur Vita, j'avais beaucoup joué et j'aimais beaucoup prendre Noob et Ermac. Qui est Noob Saibot qui est plus là d'ailleurs. Donc là il y a Kung Lao qui est un habitué de la licence, Jax qui est un habitué également, Sona Blade même chose, Kenji même chose, Kitana c'est la même, Scorpion c'est la même, je pense c'est le personnage emblématique de Mortal Kombat, c'est l'ennemi internet de Sub-Zero, même personnage emblématique. Notez donc la refonte graphique vraiment par rapport au dernier qui est vraiment notable. Milena qui a perdu des boosts depuis la dernière fois, donc il y a une habitué également. Takeda, un nouveau de la licence, on dirait un peu Snake dans Metal Gear, mais j'aime bien son personnage. Cassie Cage, c'est genre la fille de Sonya Blade et de Johnny Cage, un gros flammeur. Jackie Briggs, c'est la fille de Jax, si je ne me trompe pas. Kung Jin, c'est un nouveau, il est plutôt sympa, je trouve. Après, donc, il y aura Goro, alors on l'a pas encore en fait, parce qu'il faut donc le prendre, et mon code ne marche plus en fait, je sais plus pourquoi, genre j'ai eu un code dans la boîte, et il marche plus, what the fuck. Quan Chi, un méchant habitué de la licence, Raiden, même chose, habitué, Devora, nouveau, Ferator, ça a l'air d'être un duo assez sympa, nouveau donc, Reptile, un habitué, Kotal Kahn, alors je pense que c'est un nouveau, mais je suis pas sûr, Ermac, c'était mon préféré, donc je pense qu'on va commencer avec lui, il utilise des pouvoirs psychiques, j'aime bien son perso, Liu Kang, même chose, donc c'est un habitué, et Ron Black, il est nouveau, et on dirait un petit peu le personnage dans Captain America, Blake, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Jugger, c'est le gros flammeur, lui il est marrant, il est sympa, je crois. Ok, tout à fait normal. Kano, c'est un habitué également. Voilà. Et Shinnok, pour terminer l'histoire, alors là c'est le méchant, un des méchants dans la quoi. Donc on va commencer donc par Ermac, on va partir. Alors donc déjà on va choisir le mode. Ouais. Alors ça donc ça c'est les nouvelles variantes. Donc maintenant en fait vous allez donc lorsque vous choisissez un personnage en ligne, en solo, dans n'importe quel mode, donc dans Mortal Kombat X donc qui donc est le 10e de la série, de la saga. En gros vous avez donc droit à trois facultés, variantes donc qui vous permettront donc d'acquérir des capacités. Donc par exemple pour chaque personnage vous en avez trois différentes. Pour Erma, donc il y a la capacité spectrale qui permet donc de voler et de déclencher des attaques comme en l'air. Donc il y avait le même sur Mortal Kombat. Mythique qui permet d'avoir une amélioration de projection translationnelle et étranglement translationnelle, je me demande ce que c'est. Et Maître des âmes, donc c'est la capacité de disparaître pour éviter les dégâts. Alors moi j'aime bien prendre ces mythiques que j'aimais bien, je crois. C'était pas mal. Donc on va prendre mythique. Et en ennemi, on va prendre mandatoire. Alors la difficulté, je voudrais la choisir par contre. Alors il y a facile, normal, difficile, très facile. Bon, on va prendre en facile, je crois. Je suis pas un grand boss, je suis plutôt bon. Ça. Alors en terre, on va prendre un aléatoire. Forteresse de Quatch, c'est parti.
On essaiera de faire pas mal de fatality, donc là je vais jouer qu'avec Ermac pour l'instant. Et on part sur une vidéo de une demi-heure, même format que ce que j'essaie de faire d'habitude. C'est parti! J'espère que la vidéo vous plaira, d'habitude d'ailleurs. Si ça vous plaît, pensez à me le dire. Et si vous voulez donc d'autres vidéos sur Mortal Kombat, dites-le moi. Alors attendez 2 secondes. Donc là vous avez donc l'écran des contrôles qui s'affiche. La liste des coups et l'étranglement transitionnel, donc ça c'est les 2 coups spéciaux. Donc ensuite pour afficher donc les coups, donc vous avez tous les coups normaux, c'est tout ceci, il y en a beaucoup. Ensuite vous avez les combos, donc ça c'est les combos, voilà quoi, sans vie. Alors je connaissais quelques-uns. Alors ensuite voilà, coups spéciaux, donc ça c'est les coups lorsque vous avez donc des barres d'attaque, je pense, qui sont remplies. Et coups fatales, ça c'est fatality, rouage interne. Il y a Force du Misère également, celui-là je ne l'ai pas encore. Faction Kill, Confrérie, ça me beaucoup pas, tiens. Alors, on va juste retenir donc les principaux. Et un Mac Mythique, Éclat d'âme, tac 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 tac. Ok, c'est parti. Alors. Là, pour se protéger, donc c'est R2, je crois. What the fuck? Ah, c'est quoi ce style? T'as un coup de bâtard là, attends. Petit coup de bâtard là. Ok, c'est bon. Si c'est pas comme ça qu'il faut le faire en fait, l'attaque, je pense. Ah non, c'est pas comme ça, putain. Non, 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 ah, attends. Non, mais putain, c'est sérieux, non? Ok. Eh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Du lourd, du lourd. J'essaie de retenir encore quelques trucs. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. Facile, courage interne, analyse des coups. Ok, ça c'est les combinaisons, pomme explosive, ça je connais, coupe latérale. Alors après, donc c'est mieux de connaître les coups par cœur hein, pour chaque personnage, bien sûr. Combo. Juste revenir sur le. Alors je préfère jouer avec d'ailleurs le joystick si vous demandez. J'ai pas réussi à vous dire. Ah ok, en arrière. Tac 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 tac. Attends, c'est ça, c'est ça. Ah c'est bon, en fait lui il peut genre activer 2 personnages. C'est pas mal. Et ben là je te nique ta race encore plus. Wouh! Pourquoi j'arrive pas à le faire ce coup? Genre, je comprends pas. Tac 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 tac. Alors, finish him. Donc ça, je pense que vous connaissez. Donc ça c'est les fameux fatality donc de Mortal Kombat. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En brutality, il y a celui-là, mais c'est plutôt chaud, genre. Non, je sais pas si c'est celui-là. Lui alors. Tac, tac, tac. Ok, c'est parti. Ok, alors si j'arrive pas déjà, c'est super ça. Ok, j'ai fait, d'accord, comme une merde. Comme une fantastique merde. Bravo. On ira essayer en ligne, mais je vais me faire tuer, je parie. J'aime beaucoup les animations aussi dans un certain style. Ok. Je vais choisir de vos combattants. Alors, qui on va prendre? Alors, je pense qu'après, donc, on reprendra donc, notre cher Ermac. Alors, on va aller jouer avec Kung Lao. Kung Lao est pas mal, j'aime bien. C'est parti. Trancheur.
Trancher. C'est pas mal ça. Voilà toi. Ok. Génitrice. Oula. On va partir en. On va essayer en normal, tiens, pourquoi pas. Allez, toi. C'est parti. En général, difficile, j'y arrive. Après, ça dépend. J'ai un personnage, c'était Noob Saibot. Si l'ensemble en combat, j'avais beaucoup joué avec. Et je connaissais quasiment tous ses coups, je connaissais tous ses mécanismes. Alors, quand c'est comme ça, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite, c'est vraiment cool. Round 1, fight! Ok, alors c'est parti, on va voir les premiers coups. Alors, liste des coups de coupe en Shaolin, taille instantanée, bon, on va déjà le voir direct. Poum du vent, tac 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 tac. Ah, en fait, ça c'est les coups combo. Enfin, j'ai pas trop compris. Ah, ok, on peut pas les faire comme ça, je crois. Tac, tac, tac. Okay. Ah, si, c'est ça, vraiment. Ok, il m'a fait un breaker en plus. Tac, tac, tac. Vas-y, go. Ah, ça là. Triangle carré. Ok, c'est pas ça. Bon, normal, Comment il s'appelle déjà le coup là? C'est. Attends. Tac, tac, tac. Ah. On a eu trop dur. Tac, tac. Ok, ça marche. Leur animation, c'est sympa aussi, je trouve. Petite animation, bon, ouais, sympa. Round 2, fight! Oh, allez, vas-y, viens, 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 viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu me regardes pas comme ça! Putain, maman! Oh, l'X-ray! Wow! Attends! Oh! Oh! Aïe, aïe, aïe! Elle fait plus la maline, la salope, hein! Allez, viens! Ok, là, tu m'as énervé, c'est bon! Non, non, mais putain, mais c'est là qu'il va dessiner mes cotons! Ok, allez, bon, je sais pas me rater cette fois. Coup fatal, tac tac. Non, tac 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 tac. Okay. C'est parti! Oh! Oh, c'est méchant! Oh, c'est méchant! Ah! Ok! Pied du sang bleu, c'est trop chelou. Le chapeau le plus soigné du monde! J'ai cru qu'il était recouvert de sang rouge, ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est pas possible. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je suis plutôt bon avec ça, ça va. Alors, je précise d'ailleurs que la vidéo est assez violente, mais tu sais que c'est trop tard. Ah, Aaron Black, j'aime bien parce qu'il a des attaques, en fait, c'est genre un bandit. Sniper obtient des attaques uniques avec lui pour faire les coups de sang, bien sûr. Pistolet rouge, la fourmi, tire en faux avec les revolvers. Il sert la lame katana. Je vais prendre le sniper parce que c'est pas mal au départ, c'est genre la facilement, tu vois. Quand même. Je peux mettre. Allez, on va être difficile avec ce personnage de merde. Encore? Oh, ok, pourquoi pas. Pas mal le gun aussi. Faudra aussi faire l'histoire. Je ne pas en vidéo, je pense. Je sais pas si ça te compte. Il paraît qu'elle est pas mal, mais je pense pas la faire en vidéo. Ça va être assez ennuyeux. Je vais plutôt la faire comme ça. On va dire ça. J'ai un problème. T'as l'engin qui s'énerve. Là, c'est toi qui as un problème. Oh là là. La VF est pas. Ça pourrait être mieux. Alors attends, voilà donc. 6 coups. Non, voilà, tir épaulé. Tac, tac, tac. Ok, non. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez carrément un fusil. Rien à foutre. Là, comme un coup de poing peut faire plus mal qu'un coup de fusil, c'est un peu genre boosting, mec. C'est tout à fait. Ah ouais, mon père il m'avait défoncé, c'est genre j'ai fait 6 combats avec lui, c'est le seul moment où il m'a défoncé, c'est le seul moment où je combat. Ok, ok mec, ok, 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 ok. J'ai pas besoin de comprendre mon père, laisse tomber. Je me fais violer. Ouais, ouais, c'est bon. Ça. Tu vas voir un petit peu quand j'ai stoppé là. Bam, salope. Allez. Y'a plus de respect. Allez, viens. Boum, tu te relèves. Bam. T'as rien à dire.
Moi aussi j'ai une arme plus grosse. Y'a pas d'arme plus grosse. Oh la remarque. Oh mais ça. Oh putain mais ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon pour ce temps. Non. Non. Ouais ok d'accord c'est bon. Mec ça va ça va. Non. Pourquoi tu n'as aucun respect? Oh salope. T'es sérieux là? Putain. À chaque jour sa victime. Ah ah. Vas-y, je vais te prendre en easy, on va voir si c'est marrant aussi, putain. J'ai trop saphir là. Oh, comment je suis trop beau là. Ouais, oh, c'est bon, ouais, je t'ai niqué. Bon, on va pas kicker en même temps, je pense, voilà. Ah, j'aime bien ce personnage parce que les attaques au gun, c'est vraiment très, très innovant, très différent. Alors, on va partir sur. Scorpion. Scorpion. Ninjutsu, vous attaquez une équipe de épées. Boule de feu fait les enfers au roi de feu. Spire démoniaque, ça simple ça. Ça fait beaucoup penser à Noob Saibot, j'aime beaucoup de personnages. Bon, elle nous prend sauf 0 là, c'est bon, attends. Ancien, ça génère les armes de glace. Le truc le plus merdique possible. Non, je vais pas faire le bâtard. Bon, allez. On va se mettre en normal, on va pas trop abuser. On va se mettre sur un truc qui a un rapport avec leur vie apparemment. Si j'en ai. Ça d'entraînement. Ouais. Chambre du jean, c'est. J'ai pas encore fait ça là, tiens. C'est parti. En gros, dans l'histoire, c'est genre. En fait, Scorpion il a tué la famille de Sub-Zero. On se demande pourquoi. Et en fait, je crois que c'est sur Sub-Zero en fait. Enfin, ils sont frères, un truc comme ça. Mais après, soit. Enfin. Il y en a des deux qui sont méchants. Pour les Dinkwe. Pour les Shirai Ryu. Ok. C'est parti. Oh là, ça m'envoie du pâté. Oh, ça m'envoie du pâté, je le sens. Alors, ok, attends. Voilà, juste fais ça, c'est à faire. Saisis le sbire. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ok. Tout s'est testé. Hein. D'accord. Oh. Oh putain. Oh ya. Ah je l'ai eu. What the fuck. Normal. Voilà il est vénère. C'est parti. Allez viens 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 viens. Oh. Oh putain il m'envoie tout le truc là. C'est bon calme toi calme toi. J'arrive j'arrive j'arrive. On va faire juste un truc. Ok. Oh. Ouais, c'est pas mal ça. Oh ouais, c'est bon là. T'as cru quoi là? Bon allez, t'as plus rien à dire. Vas-y, plus aucun respect, plus aucun respect. Allez, c'est bon, là, je suis le truc super sale. Aucune pitié. Moyen. Tac, 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 tac. Oh mais non. Mais non. Tac, 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 tac. J'arrive jamais, moyen. Jamais. Je n'arrive jamais. Putain, ça m'énerve. Tac, 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 tac. C'est pas difficile pour toi, putain. Putain, les yeux. Fatal. Ah non, ça marche. C'est-à-dire Fatality. J'ai encore fait ça. Fatality. Ah, là. Là, vous dites, putain, mais arrête de gueuler, abruti. Plus de respect, mes amis, plus de respect. Après, j'essaierai de jouer avec Gamon. Alors, qui on va prendre? Reptile, j'ai mis Reptile. Alors, tromperie. Ah, j'aime bien ça, ça me plaît. Alors, attends. Encore? Encore? Ah non, c'est pas le même, c'est pas le même. Avec ces insectes là, tu me fais peur. Normal, bah, bon, et maintenant on essaie de tout faire normal.
Yo. Ah, c'est bon. C'est ce trip qui veut le côté là. Tu t'es cru belle là, tu t'es cru belle. Vas-y, vas-y. Moi, je vais te marabouter là, sans aucune pression. Ça va saigner, je vous le dis là. Bon, allez, je regarde juste les compétences et on y va. Alors. Tac, tac, tac. Ok. Oh non. Mauvaise haleine. C'est quoi ça? Tac, tac, ok. Je la stocke là, c'est bon. Non. Tac, tac, tac. Tac, tac, ok. Wow! Tu vas se noyer après, tu sais comment faire un genre les stages Fatality. Je crois que ça existe encore. Il n'y a plus de belle équipe par contre. Wow! Oh. 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 Allez, vas-y. Calme-toi, mon petit. Allez, c'est bon. Ah, hey, direct. Alors, tac, 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 tac. Ok. Oh. Ah. Ah. Ouais, ouais. C'est quoi ce sang bleu dégueulasse là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je trouve ça dommage parce que ça pourrait avoir un super effet. Avec du sang, du vrai sang, c'est énorme. Comment il lui brûle la gueule? Tu brûles la gueule! Voilà. Alors, cette petite touche d'humour extrêmement au calme, comme vous avez pu le voir. Johnny Cage, Liu Kang, Ermac, Milena, Takeda, ou alors là. Bon, allez, on va faire une dernière avec Ermac et après on part en ligne. C'est parti. Ermac. Oh, j'ai dit en même temps, je crois. Mythique. On va jouer ici, c'est là, tu vois. On va la faire contre la tour. Ah. On va partir en normal. Allez, attends. Croiser les chemins. Avec le cap pour le cap. Bon. Justement, Scorpion. Est-ce que Scorpion, c'est avec un K? Scorpion, c'est avec un K, non? Ben pourquoi ils l'ont mis avec un C, là? C'est pas possible, c'est une insulte à mort. Non, je comprends pas. Ou c'est la VF qui est vraiment à chier, parce que je suis sûr qu'il y a un K, Scorpion. Jusqu'à notre création. Alors ça va te rappeler des choses. Yo. Ok, déjà. Kulao est pas mal, franchement, j'aime bien ce personnage là. Le personnage que j'aime pas, c'est genre Johnny Cage. Il a des attaques extrêmement chantes avec la grosse boule verte. Si vous avez beaucoup joué à ce combat, c'est le printemps, bien sûr. Vous connaissez. Alors, tac 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 tac. Ça marche. Alors, on va tester cette attaque là. Tac tac tac. Ok. Déjà? Ouais, tout facile. Bon, allez, je vais essayer de faire aucun hypercute là pour une fois. Ça va être trop facile. Go. Mec, il est tellement perché qu'il marche même pas, quoi, sans pression. Wouah! 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 Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu dis ça? Attends, pourquoi j'ai pas fait le X-Ray, là? Wouah! Allez! Viens! 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 Wouah! Wouah! Plus de gorge!
Bouh. Ah, c'en est que là, c'est bon là. Allez, viens, viens là. Oh, attends. Oh, merde, j'en ai fait un. Non, c'était pas prévu. Allez. Alors. J'ai pas un brutality là, c'est aérien là. Putain, c'est chiant. Tac, 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 tac. Elles sont les... Bon, on va essayer celui-là. Putain, laisse tomber, ok alors. Ok. Ouh. What? Oh, oh non. Ah mais c'est quoi ça? Ok. Ok. Sans pression. Puis reste penché comme ça. Ah, c'est pas mal celui-là. Ah, c'est dégueulasse, putain. Oh, oh, merde. Oh, la vache. Oh, bon, on est parti en ligne, là. Avant que je rende mon dîner. Ou mon souper, même. Alors. J'essaie d'aller jouer avec Diamond, si je joue encore. Je joue encore, non? Ah non, il joue Resident Evil, bon, enfin, on va essayer d'aller à la quand même. On a fait juste une année pour tester. Lecture des stats. Ok. D'accord. Alors. Bon. Versus. Bon, versus un peu. Notre joueur. Là, toi, par contre, ils vont pas mettre un mec qui a genre 3000 victoires parce qu'une fois je suis tombé contre un mec qui était genre dans le top 1000 mondial. Je me rappelle, il jouait avec Raiden, moi j'avais Noob. J'ai pas touché le sol. J'ai pas touché le sol. Il m'a enchaîné, non mais j'ai rien compris. Mais genre, le problème du jeu de combat, contrairement au FPS ou un jeu de voiture, c'est qu'en fait, si tu tombes sur un mec qui sait vraiment très bien jouer, t'as réellement aucune chance. Vraiment. Victoire défaite, 0-1. Ah bah c'est bien. Ok. Bah évidemment que j'accepte, ouais, c'est bien. Mister Tulu, je tue 89. Ok. Allez, moi je prends Noob, c'est bon. Enfin, rien va prendre. Ok, il est vénère, je le sens bien là. Allez. Bah, ce que tu veux, croisez les chemins, c'est parti. Allez, vas-y, je t'attends. Pom 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 pom. Bon, il y a 0 victoire, 1 défaite, hein, ça va. Moi, j'ai rien pour l'instant. Ça veut dire aussi, peut-être qu'il vient de commencer à jouer en ligne, mais ça fait genre 4 ans qu'il joue en train de combattre. Ok, lui il veut commencer direct là. Waya! Double coup! J'y vais retomber là. Attends, si je ferme mon X-ray, tu vas voir, tu vois. Allez, putain. Ah, mais non, mais putain, j'ai gâché. Putain. Oh, j'ai un peu rebondi sur le côté des marques comme ça. Allez. Putain, mais j'arrive pas. Ah mais là c'est lui qui l'a, je suis à droite moi, je suis con. Allez. Oh non, hop. Oh. Oh. Oh.
Non, non, putain, il m'a eu, merde. Ok. T'es gueule, toi. Je sais pas qui je suis. Je suis Stormy. Viens, 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 salaud. Mauvais choix. Il est fiché avec son attaque là. Tu vois, je vais porter moi. Oh oh. Ok, alors attends. Ah, c'est bon. Allez, bon, on va la relancer, ce qui est pas mal. Comme ça, on va bien le niquer là. Allez. Oh putain. Aucune pitié, genre. Il s'est dit, wow, il connaît par cœur, il est trop fort. C'est vrai que maintenant, en fait, avant, tu étais obligé, genre, de donner les commandes, d'aller jusqu'au truc. Ah, c'est beaucoup plus économique, j'aime bien. Fatality. Bon, oh, bien joué, mec. On va partir un match toujours. Ah, t'as bien joué, dit ta maman. Ah, ok. Bon, je vais vous laisser, je vais en partir sur une partie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, dans ce cas, on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo Minecraft Combat. En tout cas, demain, donc, une vidéo Airsoft. Enfin, je fais Airsoft, mais la vidéo paraîtra un peu tout de suite parce que j'ai le montage à faire. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Wouhou! Allez, ciao les mecs!